Les habits de cyclistes sexy, ça dépend sur qui. Alors, mon premier vélo, c'était un BMX jaune. J'adorais ce vélo, c'était magnifique avec les petites coussins. J'étais trop fière avec mon BMX jaune parce que tout le quartier avait déjà un BMX avant moi et on était dehors avec les copains à jouer avec nos BMX et c'était formidable. Belle époque. Ma plus belle gamelle, je suis passée au-dessus des barres devant. Donc, ouais, c'était une belle gamelle parce qu'on faisait une course avec les garçons du quartier de Liverpool. Ça allait très, très vite et je suis passée au-dessus. Moi, je n'utilise pas mes mollets, j'utilise l'électricité pour mon vélo parce que je ne veux pas arriver à un rendez-vous transpirant, je peux le dire comme ça. J'adore mon vélo. C'est un vélo cargo avec un siège arrière. Et mon fils, Sacha, peut monter derrière ce vélo, donc ça, c'est formidable. Et je viens de mettre un siège devant pour mon deuxième fils, qui a 10 mois. Et donc, c'est un vélo, on va dire, familial. Et c'est parfait. une phrase, en fait, parce que je dis à mon mec, « Tiens, mon vélo est cassé !» Et puis voilà, ça dure 10 secondes pour moi. L'arrivée des Champs-Élysées, c'est un souvenir exceptionnel pour moi parce qu'en 2012, Bradley Wiggins était le premier Britannique à gagner le Tour de France et c'était le jour de mon anniversaire. Et on ne savait pas si elle allait gagner ou pas, hein, évidemment. Et c'était le meilleur cadeau d'anniversaire. Mon père était avec moi, il est ultra fan du Tour de France aussi. Donc c'est un moment inoubliable pour moi. L'histoire que j'adore, c'est l'histoire de Eugène Christophe. Et en fait, c'était en descendant le Tourmalet, il s'est fait faucher par une voiture, sa fourche a cassé, il a dû marcher pendant 15 km, on est en 1913 je crois, il a dû marcher 15 km, trouver un atelier dans lequel il pouvait réparer son vélo, et il a quand même fini le Tour de France. Donc ça, c'est une anecdote de dingue et une détermination de malade, et du coup, ça me touche beaucoup. Donc Eugène Christophe. Bah, je dis appuie sur le champignon, allons-y, on fonce! Alors moi j'ai beaucoup de chance, je vais être dans une voiture Skoda électrique et on va suivre les coureurs et je serai avec 4 personnalités différentes, je vous en dis pas plus pour le moment, mais on va passer un bon moment à tchatcher ensemble. Eh ouais.